suis ravie de te voir aujourd'hui pour que tu nous parles un peu de ta présence au salon. Tu as fait une communication auprès de ta communauté sur YouTube et Facebook pour annoncer tes conférences qui auront lieu sur le salon. Donc deux conférences et une conférence le jeudi, la veille du salon. Voilà, donc y a-t-il d'autres surprises, des choses que les gens peuvent attendre finalement de toi au salon ? Ben, on a décidé tout simplement avec l'équipe de pouvoir faire bénéficier de pas mal de cadeaux, de 15 cadeaux en tout, à tous ceux qui viendront sur le stand, la possibilité de pouvoir gagner en réalité des séances de consulting gratuites. Super! Donc 15 consultations à gagner sur le salon, et comment gagner finalement ces consultations privées avec toi ? Alors ça va être relativement simple, il suffit tout simplement de venir au stand où l'on va être avec toute l'équipe, qui sera le stand Eurotemix, qui est notre partenaire, et c'est un stand qui va se situer sur l'emplacement B10 du pavillon 5.2. Et là, il y aura possibilité de répondre à un questionnaire très facile, avec des questions très très faciles, qui permettront de pouvoir justement tenter de gagner par jour 5 de ces consultations privées. Et donc ce questionnaire, sur quel sujet, sur quel thème porte-t-il ? Alors c'est tout simplement tout ce qui concerne Christophe Batz Formation, avec tous les thèmes qui sont autour, hein, bien évidemment, les formations, la chaîne YouTube, la page Facebook, et puis bien évidemment le site internet christophe-batz.com. As-tu quelques conseils à donner aux personnes qui viendront sur le stand et qui voudront répondre justement à ton questionnaire ? Pour gagner une consultation privée ? Eh bien, tout simplement, c'est très simple, il suffit d'aller et sur le site internet christophe-batz.com, d'aller sur la page Facebook Christophe Batz Formation, et puis sur la chaîne YouTube Christophe Batz Formation, pour aller regarder tout simplement les petits détails qui se cachent dans les vidéos, dans les publications que l'on met, dans les différentes formations avec les différents thèmes que l'on peut avoir en ligne, et puis toutes les réponses y sont. Donc autant dire que les consultations que tu proposes traitent de sujets que tu as déjà abordés et qui sont absolument accessibles à tous et qui sont des sujets sensibles pour réussir justement son parcours professionnel en tant qu'acteur du milieu du fitness. Donc du coup, à qui s'adressent ces consultations plus précisément ? Oh, plus précisément, ce sera surtout les coachs qui sont en formation, par exemple, ou les coachs qui sont déjà diplômés, les personal trainers, les owners de box de crossfit, les patrons de club avec toutes leurs équipes, et puis tout simplement des personnes qui ont un projet dans les jours, dans les semaines ou dans les mois à venir, de façon à pouvoir leur donner des clés pour ouvrir des portes, les portes de la réussite. Donc finalement, l'objectif de cette séance de consulting privé portera sur quoi ? Sur la problématique de l'individu, sur ses capacités en tant que coach ? Alors, dans un premier temps, on aura la possibilité de faire un diagnostic. Je leur donnerai toute la trame pour pouvoir faire un diagnostic et pouvoir en ressortir les éléments qui leur permettront justement de pouvoir être solutionnés. D'accord. Donc je pense que ça fait un petit moment que tu fais tes séances de consulting, que tu conseilles en privé des acteurs du milieu du fitness. Et pourquoi ? Pourquoi as-tu pris cette décision de justement accorder du temps à partie à des personnes dans leur stricte individualité et dans leurs problématiques ? En fait, on est dans un secteur d'activité qui est très très changeant, qui est en pleine mutation. Et je me suis aperçu, il y a plusieurs années en arrière, que des problématiques étaient émergentes et que les personnes qui étaient acteurs du secteur d'activité arrivaient difficilement à trouver des solutions précises, efficaces, rapides pour pouvoir justement se sortir de ces différentes impasses. Et il y a possibilité, bien évidemment, de trouver des solutions sur Internet, puisqu'en fait, maintenant, il y a une foultitude d'informations. Mais malheureusement, il va falloir passer des heures, des jours, voire des mois à rechercher les bonnes informations. Et l'intérêt, notamment, d'une consultation en privé sur une heure, c'est la possibilité de pouvoir justement gagner du temps, gagner en efficacité et avoir des réponses qui sont très précises et qui sont directement dans la lignée de ce que les personnes veulent. Donc
D'accord. Et quand aura lieu cette consultation? À partir du moment où les gagnants sont annoncés après chaque jour du salon, quand aura lieu la consultation privée? Quand les gens peuvent-ils prétendre à prendre rendez-vous avec toi? Alors, lorsque les gagnants auront été justement définis, les 5 gagnants par jour, hein, on les contactera tout simplement et on définira avec eux une date, une heure qui leur conviendra le mieux de façon à pouvoir faire cette consultation privée qu'ils auront gagnée. Super, merci Christophe pour le temps que tu m'as consacré à répondre à mes questions et les explications que tu as données à l'ensemble de la communauté qui nous regarde aujourd'hui sur YouTube, sur Facebook. As-tu un dernier message à faire passer justement à ces personnes qui voudraient te voir et te rencontrer sur le salon? Les personnes qui sont là? Bon, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est éventuellement leur dire de nous retrouver directement sur le salon, hein, sur le stand d'Eurotemix, et puis de venir nous voir, tu auras toute l'équipe qui vous accueillera avec un grand sourire, bien évidemment. Donc, à très très bientôt.